direct. Regardez ici, on est. Christophe est en direct, ça c'est déjà une bonne chose. Hop là. J'ai coupé le son. Là, j'ai dans un groupe. Je sais que tu bosses chez Orange la matinale. Hier, ça a été la matinale rock and roll avec un petit bout sous la pluie, enfin risqué sous la pluie, et l'autre bout, ça c'est fait. Maintenant, il faut partager ici. Tu sais que tu vas chez Orange Go. On vient là. Ok. Voilà, Christophe. Quatre personnes déjà. Waouh. Hello les agrumes. Waouh, j'avais pas vu. Salut Olivier. Salut Hervé. DHL. J'adore. J'adore. C'est pas Wi-Fi, il faut couper ses Bluetooth. Ouais, parce que si je laisse le Bluetooth sur le téléphone, j'ai le Bluetooth qui prend la main ici. Donc bah, je coupe le Bluetooth carrément. Sinon, les deux peuvent pas marcher en même temps. Donc il faut que je copie ça, afficher la suite. Donc la deuxième équipe, c'est qui? C'est ceux-là, hein, à partir de Sébastien Claude. Hop, voilà, comme c'est. Et on fait un petit joyeux anniversaire. Salut Franck! Joyeux anniversaire. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sacrée. Je crois qu'il y a 18 sur le premier compte, 5 sur le deuxième. Tu vois un petit peu, hein. Mais bon, c'est normal, hein. Il y a des jours plus efficaces que d'autres. Là, ça va être de plus en plus difficile de trouver des jours où il n'y a pas du tout d'anniversaire. Ça va être hyper chaud. Allez, hop, je vais regarder un petit peu sur le iPad. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Pascal. Salut mon Pascal. Salut Christophe. Christophe Dijoux, ambassadeur digital, qui était là hier à Orange Garden. Salut Bernard. Grégory. Kaina. Qu'est-ce que j'ai raté? Salut Franck. Michael Ménil, bien sûr. Franck Pancrate. Grégory. Bernard, je descends. Hervé Glinel. Olivier. Yvonne. Yvonne, c'est la première fois que je te vois là. Bienvenue, c'est tu es chez toi. Sers-toi un café. Combien de sucre? J'adore. Eh, bientôt, on va pouvoir le faire. Claude Monotas. Monota. Thierry Estorge. Dalila. Oh, Dalila, toi aussi, tu deviens un pilier. Waouh. Je compte sur toi. Hein. Mirabel, c'est bientôt. Nicolas Ruchon. Benjamin Sissiak, salut. Soraya. Et Kaina. Voilà, j'ai déjà dit. Vivien Koukou. Oh là, Vivien Koukou. Je fais ça avec l'accent de chez moi. Camille, Caroni, Christian, Viet Avivi. Viet Avivi, de Lyon, hein? C'est ça, hein? On s'est rencontrés à Lyon. Non, à Marseille, on s'est rencontrés. Mais tu es de Lyon, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Quelle mémoire, ce Christophe. Salut Manono. Salut Camille, Caroni. Dis donc, il y a du monde là ce matin. Oup, là, il faut que j'assure, quoi. Allez, hop. Je fais ça comme ça. Voilà, là je l'ai à l'envers, c'est bien. Bon, hier j'ai vu qu'il descendait pas beaucoup. Bon, enfin bon, on va voir ça comme ça. Bon, on est mercredi. Ah, t'as vu la semaine, ça y est, on est déjà à la moitié. Ah, c'est pas le top ça. Grosse journée hier. Oui, c'était les ambassadeurs. C'était les ambassadeurs dealers. Non, pas dealers. Leaders. Oh, les ambassadeurs. Oui, les ambassadeurs sont des dealers de démos, de partage, d'échanges, etc., etc. Tiens, j'ai la. Dis donc, la caméra, elle est vachement basse aujourd'hui. Et je peux pas faire autrement. Je peux pas faire ça comme ça pour que ça soit un petit peu plus haut. Ouais, non, mais. Ah oui, voilà, je peux faire ça. Voilà. Tout à fait. Ouais, mais là, il y a. Bon, bah, enfin, bon, bref, discute pas, laisse tomber, c'est très bien. De toute façon, il va falloir que je prenne un architecte de studio pour me refaire un petit truc ici sympa. Belle journée ambassadeur hier. Ouais, super. On a eu de très belles interventions. Luc Bretonne, entre autres,
Denisieux, hein, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bon, bref, moi je suis resté la bouche ouverte. C'est incroyable comment l'innovation, comment il y a des choses qui sont loin devant. Ah, la 5G nous a un petit peu endormis, ça il faut dire ce qui est vrai. Mais bon, faut s'attendre à ça. C'était sûrement des ingénieurs à la plus qui sont venus nous parler de choses qui étaient un petit peu touffues pour nous. Bon, il y a sûrement des ambassadeurs qui ont compris. Moi, pendant ce temps, j'ai un petit peu nagé. Non, mais sinon, c'est très, très important, surtout de se rencontrer dans la vraie vie. J'ai eu la chance, l'extrême chance de rencontrer dans la vraie vie à la fois des ambassadeurs de la Réunion, eh oui, et des ambassadeurs des Caraïbes, hein, Guyane, Guadeloupe, Martinique, et tout ce petit monde-là, on était tous ensemble. C'était vraiment quelque chose de formidable, quoi. Et moi, je ne saurais qu'encourager ceux qui ne sont pas encore ambassadeurs à venir, quoi. Voilà. Tu sais pas ce que c'est? Eh ben, allez, de toute façon, je te fais une spéciale ambassadeur un de ces jeudis. Mais ambassadeur digital, grosso modo, salarié d'Orange, hein, comme toi, comme moi, et puis voilà, dans Plaza, tu dis je veux devenir ambassadeur, et voilà, un jour par mois, par bimestre, par trimestre, pour aller démontrer les produits et services Orange auprès de tes collègues. Voilà, c'est vraiment le truc. Voilà, c'est... Alors, t'as pas besoin d'être un geek, t'as pas besoin d'être ingénieur, parce que tout ce que tu démontres, on te l'explique. Voilà, et il y a plein de choses. Là, le programme 2018 qu'on nous a donné, ah là 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 là. C'est du propre, c'est du beau. Enfin bon, et puis tu as la chance quand même de tester en avant-première pas mal de produits, hein. C'est vrai que le lab, où je te conseille d'ailleurs de t'inscrire sur le lab Orange. Salut Amar, salut Edith, salut Jérémy, salut Manono. Le lab prend souvent des ambassadeurs pour tester des choses. Hein, et voilà, par exemple, la Livebox 4, il y a eu pas mal d'ambassadeurs, la banque, Orange Actu, la nouvelle appli interne. Enfin bon, tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Et puis c'est une aventure humaine. Moi, je dis, on rencontre du monde. Moi, ça, c'est typiquement dans mon truc, hein, tu vois, avec les agrumes, c'est que ben voilà, tu rencontres. À la fois, je rencontre des agrumes chez les ambassadeurs et qui deviennent agrumes, et des agrumes qui deviennent ambassadeurs. Bref, c'est topissime, ça me plaît. Voilà. Donc la journée continue aujourd'hui chez les ambassadeurs, parce que tous ceux qui sont pas de métropole, enfin qui sont pas de France, enfin qui sont pas de Paris, c'est ce que je veux dire, ont un truc. Ouais, exactement. On n'est pas obligé d'être geek. Ils ont des formations. Et puis, moi, par contre, aujourd'hui, je vais faire un petit saut à l'Orange Business Summit à la Porte Maillot, Palais des Congrès. Comme c'est pas loin, profitez de chez moi. Voilà. Je vais aller faire un tour là-bas. Il paraît qu'il y a des choses très, très bien. Tiens, d'ailleurs, je te partage. J'ai eu du mal à trouver un visuel pour l'Orange Business Summit. Tu sais que moi, je fais tout à la bricole. Là où c'est que c'est? C'est là, voilà. Hop, je te partage ça. En attendant, la room est ouverte. Hein. Si tu veux rentrer pour dire un mot, il n'y a aucun souci. On est là. On te prend. Voilà, salut. Ouais, le réseau des ambassadeurs, Christian, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. maintenant que ça va. Et puis, on parle de réseau d'ambassadeurs. Je crois que ça existe déjà au Sénégal, au Maroc, tu vois, tous ces endroits qui sont quand même, c'est pas mal. Voilà. Donc l'invitation Orange Business Summit, c'est aujourd'hui et demain au Palais des Congrès Paris Porte Maillot. Alors spécifiquement pour les entreprises, ce soir il y a Esther, enfin fin d'après-midi il y a Esther qui intervient. Donc pas parce qu'il y a Esther que j'y vais. Enfin bon, c'est toujours, hein, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Mais je vais y aller pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, un petit peu, voilà, montrer ce que c'est faire Orange Business Services. Voilà. Donc ça, c'est là. Avant de passer à l'anniversaire, un petit point sur le Tipeee. Alors, je rappelle le Tipeee parce que j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont fait la remarque. Dis donc, le Tipeee, comment ça se fait? Tu demandes de l'argent, bababim, c'est quoi? C'est pas normal. Tu dis que tu vas acheter des caméras, mais enfin bref, les caméras, elles t'appartiennent, etc., etc. Bon, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Alors, je réexplique. Le Tipeee, c'est une façon de donner un pourboire. Voilà. Ça se fait totalement. C'est, ben voilà, la communauté des agrumes, je ne suis pas seul à la faire vivre, il y a des modérateurs qui sont là, on a besoin de matos, bah, tiens, la room vidéo, les caméras pour enregistrer, j'en passe et des meilleurs, les micros, des fois qu'on a besoin d'extérieur, des perches, des conneries, la blue jean à payer, enfin tout un tas de petites dépenses. Bon, c'est pas la mort non plus, hein. Bon, moi j'aimerais bien avoir un budget de 3 millions d'euros, ou même simplement un budget de 10 000 euros pour faire bosser par exemple des alternants ou un truc, avoir une structure. C'est pas une structure, bon, ouais, c'est même, voilà, donc celui qui a envie, hein, bah, comme Christian, bah, qui est dans la room, voilà, qui a envie d'aider, de pousser le truc, bah, tu donnes à hauteur de 1 euro. Imagine, tu donnes 1 euro par mois, c'est pas lourd pour toi.
Et puis pour la communauté, ça fait avancer les choses. Voilà. Donc c'est un petit peu le truc. Il n'y a pas de caractère de mercantile là-dedans. Et puis bon, attends, les sommes, c'est pas non plus la folie. Le mois dernier, je crois qu'on était à 100, 120 ou 130 euros. Voilà, j'économise sou par sou pour acheter la fameuse caméra Mevo Plus qui coûte 600 euros. Donc toi, voilà. Donc ce mois-ci, là, les compteurs sont repartis à zéro avec donc les tipeurs. Bon, alors il y a ceux qui keep tous les mois, qui ont dit voilà, moi je m'engage, je donne 1, 2, 3, 5, 20 euros tous les mois, voilà. Et ceux qui donnent occasionnellement. Donc il y a toujours Alex by Alex qui va pas, je sais pas où il est, il doit dormir parce que de temps en temps on le voit. Il y a Sonia qui est une nouvelle tipeuse qui a donc tipé. Je sais pas si elle a mis tip tout le temps ou si c'est un tip jour. Il y a Florian, il y a Michael qui est dans la room d'ailleurs. Et il y a Joël et il y a Christian qui est aussi dans la room. Ben voilà. Donc c'est merci à vous de faire vivre. C'est pas la faute. Aujourd'hui on est à 91 euros, c'est super. Moi ça me fait plaisir et puis j'espère que toi ça te fait plaisir. Voilà. Il faut pas te dire ah ben non qu'est-ce qu'il veut encore. Voilà. C'est pas ça qui me paye. Hein. Je suis payé par Orange quand même. Mais disons que ça participe et c'est un geste. Voilà. C'est un geste. Bon j'y vais pour les anniversaires et pour les anniversaires il faut que je fasse stop partage. Je prends ça. Je garde qui est là, Igor Beko qui est là, l'archer Fabienne. Salut Georges, t'as bien dormi, j'espère. Oh, mais tu vas voir aujourd'hui, ça va aller facile pour aller à Orange Garden. Alors, les anniversaires, il faut que j'appuie là, que je type ici, type là. Voilà. Alors, ben oui, ça je l'ai lu. Joyeux anniversaire à Angélique Postolec. Angélique qui est là-bas du côté de Toulouse, je pense, que j'ai jamais rencontré. Éric Bonfils, alors lui, je le connais bien. Un bon niçois. Plutôt Saint-Laurent-du-Var d'ailleurs. D'ailleurs, comment on appelle les habitants de Saint-Laurent-du-Var? C'est bonne question, tiens une heure. Olivier Peruzat, Vincent Tissier, Gary Varane, Marion Louis, Imane Karzazi, Vincent Boucher, deux fois, hein? Non, il y a deux Vincent. Vincent Tissier, Vincent Boucher. Delphine, eh oui, du SCO, à la com du SCO. Alors, je ne sais pas si c'est Saint-Michel, voilà, mais enfin bon, on s'est rencontrés. Ou Maillot, d'ailleurs, je ne sais pas. Rémi Auvray, Rémi Le Gall, Hervé Glinel, El Mansouri Mohamed, Diane Nuant Aliment, Pierre Julot, oui, j'ai vu Pierre Julot, j'ai vu tout à l'heure qu'il était. Il est né le jour où Martin Luther King est mort. Tu prends l'esprit? Il y a 50 ans. En plus, tu vois, il a donné la date, donc voilà, je peux sortir ma science. Pierre Julot, donc Gawel, Nelly Garcia, Aurore Pré. Ah, oh, Aurore Pré. Aurore, ouh là là, ça fait 20 ans que je. Non, j'exagère à peine. Aurore qui était. À l'époque, on appelait ça CDITP, dans la boutique où je bossais à Nice, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. ouais, alors qui c'est qui y a? Mélissa Fofana, Sébastien Claus, Sabine Chevrier, Saif Baka et Catherine, oulala, Kaczmarkiewski. Ditch. Non, non, mais Catherine, il faut prononcer son nom. Franchement, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, hein, j'ai fait un copier-coller, je te jure. Trop compliqué. D'ailleurs, Catherine, viens dans la room vidéo nous prononcer ton nom. Non, c'est souvent, il vaut mieux demander aux gens eux-mêmes. Moi, c'est pareil. On me demande comment tu t'appelles, Christophe NDI. Tellement facile. Non, parce que des fois, j'entends. Non, NDI. C'est simple. Voilà. Donc, Beelzebul, si toi, tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, tu vois, parmi tous ceux que j'ai cités, tu t'en souviens pas, tu regardes dans la description de la vidéo, tout le monde est écrit, tu le serres fort dans tes bras, tu lui dis, c'est ton anniversaire, mon ami ou mon ami. Et tous les agrumes sont avec toi pour te souhaiter beaucoup de bonheur, des bises, des bulles pour cette année que tu prends. Voilà. Salut Christine qui nous a rejoint, Patricia, Vincent Tissier. Georges, tu parles à Pascal. Oui, alors Pascal, on va parler de cette. Alors où est-ce qu'il est? Oh la vache, je sais. After Work à Nice, voilà, c'est passé. Hop, je mets ça ici. Ouais, merci. Hein, je sais pas qui c'est. C'est Florian qui m'a dit. Allez, Laurentin, les habitants de Saint-Laurent-du-Var. Donc, bah, Eric, mon fils, est un Laurentin. Bah, Eric, tu dois le connaître. Il est à Beaumet aussi. Bah oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, à Nice, tout le monde se connaît. Hein. Hein, il faut dire ça. After Work à Nice, vendredi 20 avril, ça approche très très vite et on a décidé que ça soit au Bowling Acropolis. Alors j'avais mis Bowling Nice et ça m'a vite tout de suite mis un truc à Milan. Merci à Florian de m'avoir fait remarquer que l'After Work de Nice se serait passé à Milan. Quelle affaire. Donc j'ai rectifié. Ah oui, c'est ça que j'ai pas pu faire. J'ai pas pu mettre comment elle s'appelle? Ah, Jeanne. Il faut, ben Jeanne, il faut que tu reviennes chez les agrumes. Jeanne,
Parce que j'arrive pas à te taguer. Au début, j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait un event sur mon mur à moi. C'est parti dans votre délai. Donc, je suis obligé de faire l'événement vraiment dans le groupe pour que ça soit réservé aux gens d'Orange. Évidemment, tu peux venir avec ta femme, avec tes enfants, s'ils sont pas d'Orange. Mais bon, au départ, c'était à l'intérieur des trucs d'Orange. Et donc, je me suis loupé et je suis obligé de faire comme ça. Par contre, comme je n'allais pas dans les agrumes, je peux pas la mettre comme co-organisatrice. Donc, voilà, je crois qu'il faut. Bah, je vais voir, je vais dealer ça avec elle. Salut Marlène, salut Vincent, salut Julia. Ah, t'es là, Julia. Comment va? Bien ou bien? Il va falloir qu'on mette ça, hein, cette petite matinale dans ta boutique. Faut juste qu'on cale comment on fait pour arriver avant 10 heures. Juste ça. En ce moment, c'est pas le moment de faire des trucs avec la SNCF. Donc, After Work à Nice, j'espère que les Niçois et les Niçoises, voire même les Toulonnais, les Toulonnaises, voire même les Marseillais et les Marseillaises, viendront faire un tour. C'est un vendredi, donc tu viens à Nice, tu passes le week-end, voire même après, tu vas faire un tour en Italie. Enfin, voilà, ça sera l'occasion de se rencontrer. J'ai déjà essayé de travailler Jean-Yves au corps, Jean-Yves qui est d'ailleurs avec les ambassadeurs digitaux. Quoique aujourd'hui, non, il a une réunion un peu plus importante sur Paris. Il m'a dit, ah, je vais essayer, mais tu comprends, c'est chaud, c'est chaud. Eh oui, c'est pas évident quand on a une vie de famille d'expliquer, bah, tu vois, je vais à un after work. Parce que bon, ben, voilà quoi, faut expliquer. Bon, ben, écoute, courage. Moi, je lui ai dit qu'on lui ferait un mot, hein. Si tu veux, je te fais un mot, tu peux venir. Salut Pascal, comment tu vas? Mon Pascal, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai stoppé le partage, ça m'a pas stoppé. Oui, ça y est, ça a stoppé. Donc voilà, l'afterwork est lancé du 20 et le vendredi d'après, c'est l'afterwork de Matititi. D'ailleurs, j'espère qu'elle va mieux, Matititi qui nous a fait un petit peu peur, qui était aux urgences l'autre jour. Et il n'y a personne dans la roue. Même Évangeline me boude ce matin. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Salut Arnaud, El Sayed, Alexandre Tamé, Philippe Paul, Nazar et Pascal. Voilà, donc là, je vais voir. Je vais voir. Il y a la Red Bull Air Race en même temps, il me semble, pour les amateurs. La Red Bull. La vache, comment tu dis ça? La Red Bull Air Race. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais on va se renseigner, c'est bien. C'est bien s'il y a la Red Bull Red Race en plus. Voilà. Faire bouger les Marseillais jusqu'à Nice. Eh ben si, c'est possible. C'est possible. Il suffit simplement du plaisir et de l'envie. En plus, c'est le week-end. Je pense, on ne sait jamais. Pascal qui nous dit qu'on a 10 709 membres, ça veut dire qu'on a baissé par rapport à hier. Ben, il y en a qui sont partis, hein, tout simplement. Souvent, les gens partent, c'est pas des habitués qui s'en vont. Hein. Souvent, c'est des gens qui ont été invités sans qu'on leur dise ce que c'est. Donc, ça fait vraiment bizarre. Je ne saurais que le rappeler, c'est que quand tu entres dans un groupe comme ça, où il y a 10 000 personnes, ça bavarde comme ça bavarde. Quand tu n'es pas au courant, ça fait bizarre. Voilà, et souvent, c'est ce qu'on me dit. Des fois, on me dit, ah, le groupe Facebook, ah oui, je sais, quelqu'un m'avait. Ah ben, quelqu'un m'a. Je suis ressorti aussitôt. Attendez, vous imaginez les modifications? C'est impossible. Ah, voilà. Donc, Benjamin, on va faire un truc hein, pour expliquer comment on fait pour enlever les notifications. Je crois, hein, parce que ça, je comprends. Je comprends que ça soit invivable. Hein. Je sais pas, on fait. T'imagines, tu fais 80 posts. 80 posts, si tu laisses les notifications du groupe, c'est 80 notifs. Si tu notifies aussi les commentaires, et c'est 10 fois plus, ça fait donc des fois, allez, je veux dire entre 500 et 800 comme. T'imagines, le mec, il a 2000 notifications sur son truc. Déjà, rien que le chiffre en pastique qui s'affiche, tu pleures. Donc voilà, il va falloir qu'on explique qu'il faut enlever. Olivier Perruza, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui, mon ami. Hein? J'ai envie de pusher mes félicitations. À qui tu vas pusher tes félicitations? Course d'avion entre les plots gonflés au-dessus de la mer. Ah, à 260 km/h. Ça beaucoup. Gawel aussi, c'est ton anniversaire, ma belle. Oh, mais dis donc, j'ai bien fait de taguer. C'est-à-dire que tu sais, les agrumes savent. Un jour, moi je vous dis, parce qu'hier, il y a un gars qui nous a parlé de digital aux ambassadeurs digitaux. Ah ouais, il nous a parlé de digital. Non, d'innovation, il nous a parlé. Et un jour, on pourra faire plus que je souhaitais bon anniversaire comme ça par le téléphone. Peut-être envoyer quelque chose ou faire réagir les objets connectés de ta maison. T'imagines, tu te réveilles le matin et moi, là, à partir de ma console, j'envoie un sur ta cafetière ou sur le miroir de ta salle de bain. T'imagines un peu? Ou mon hologramme qui arrive. Salut Gawel, bon anniversaire. Non, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que j'aurais aimé naître dans 50 ans? Réfléchis. Je te laisse la journée pour y penser. Salut Mehdi. Pascal, je sollicitais une aide de la communauté afin d'aider une amie et réponse immédiate avec prise en compte de la demande. Ah, d'accord. Bon. C'était pas de l'argent, j'espère que tu as demandé. Mais c'est vrai que ça va vite. Ouais. Donc, c'est.
Ah oui, pas trop tôt. Mais non, attends, Gawel, je vais t'expliquer. C'est encore mieux que ça. Tes objets connectés savent quand est-ce que tu es réveillé. Eh oui, puisque, par exemple, ton réveil, c'est lui qui te dit de réveiller. Donc, en même temps qu'il te réveille, en même temps, il envoie à la communauté, Gawel est réveillé. La lumière de ton couloir sait quand est-ce que tu l'as allumée. Et la porte de la salle de bain sait quand est-ce que tu rentres. Et au moment où tu rentres, le miroir se met en route et moi, message enregistré. Gawel, joyeux anniversaire. Le top, non? Hein? Est-ce que tu imagines? Imagine. Problème de clavier. Tiens, j'ai reçu un mail. Oula. Accepte avec plaisir. Je voudrais vous laisser revenir à l'heure sur la formation. Ok. Ouais, super. Waouh! Je viens de recevoir un mail qui, hein, qui donne envie. Qui donne envie. Voilà. Et, sinon, à part ça, mon délire, qu'est-ce que t'en penses, mon délire? La folie, non? Enfin, tu vas voir. On verra. Aujourd'hui, on en rigole comme ça. Hein, j'espère. Bon, tout ce que. Tu sais que les matinales, elles sont stockées sur YouTube. Hein, en 2040 et des poussières, quand je serai une poussière, eh ben, tu iras regarder sur la room vidéo, tu ressortiras la vidéo, tu dis punaise, le con, il disait qu'on allait me souhaiter l'anniversaire sur le miroir. Et ça y est, aujourd'hui, c'est même pire que ça. C'est l'hologramme qui arrive avec les fleurs. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé des after-work. Hein. N'oublie pas, Nice, tu t'inscris. Pascal a dit qu'il faisait une cagnotte Litchi. Comme ça, on est sûr, on est sûr que du nombre qu'on sera. Hein, voilà. Donc, c'est au bowling. On a dit bowling. Personne n'a dit non. Enfin, avec ça, on n'a même pas demandé s'ils étaient d'accord. En bowling, on voit si on mange avant ou après. Enfin, bon, on se débrouille. Le week-end d'après, c'est pas le bowling, c'est le laser. C'est laser à Paname. Donc, attention, il n'y a que 30 places. On n'a pas fait de cagnotte. Je ne sais pas si on a fait une cagnotte. Mince, c'est pas regardé. C'est une cagnotte et là, laser family, tu peux venir avec tes enfants. Un laser, tu vois ce que c'est? Ah, t'es habillé avec des trucs comme Robocop là et tout. Deux parties et tout. Il y a un truc à sonner, c'est quoi? Ah, c'est Amdigit. Ah, c'est Amdigit qui. Elle est trop forte, Ludivine. Ludivine, elle envoie. Tu vois, là, on est dans le digital. Ludivine qui dit qu'après la journée, rendez-vous à partir de 9 h au showroom. Ah, ben ça, c'est pour ceux qui continuent aujourd'hui. Ok. Au top, ça, j'adore. J'adore. Ça, on l'a dit. Donc, les afters, tu t'inscris si tu as besoin. Edito Plaza, ouais, je vais en dire deux mots. En fait, je voulais te montrer le prochain logo des ambassadeurs digitaux. J'ai là quelque part. J'ai pas reçu le truc. Je l'ai ici. Logo ambassadeur digitaux. Ah, merde. Comme je l'ai copié sur Twitter, j'ai le format n'est pas bon. Voilà. Utiliser. Voilà, c'est ça. Tac. Où il est? Ah ben il est là. Il est nouveau. Il est nouveau. Alors je te le montre. Il est sur aperçu. Aperçu, il est où? Il est là. Ah bah ben, non, il a réagi. Voilà. Donc là, c'est le nouveau logo des ambassadeurs. Bon, on l'a copié comme ça sur le tableau. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Tu te quittes? Allez, bonne journée, Georges. Amuse-toi bien. Voilà, ça c'est le truc. Voilà. Tu vois comment il est? Il est comme ça, c'est trois visages. Alors, hier, quelqu'un a dit, mais où est la femme? Ben, pour moi, c'est un homme et deux femmes, hein, grosso modo. Enfin, je vois ça comme ça. Ou alors, un homme, une femme et un enfant. Voilà. Je veux bien le nouveau logo, il ne sera plus qu'à sur mes mails. Alors, Michael, on attendra. Ils l'ont pas encore diffusé sur le plaza des ambassadeurs. J'attends qu'ils le diffusent parce que ça. En fait, tu vois, c'est un slash d'écran. Je ne pense pas qu'on soit clean au niveau des couleurs et tout. Comme ils nous l'ont présenté et tout. Et puis il y a un truc qui est super, c'est que maintenant on va plus avoir de t-shirts des ambassadeurs, mais on va avoir des comme en boutique. Tu sais, comment on appelle le truc qu'on met là, qui colle là. Attends, je sais pas comment le truc là que vous avez en boutique, lui a ton nom. Le badge, c'est pas un badge, un truc là. Voilà. Enfin bon, bref, on va voir ça avec marqué ambassadeur digital ou ambassadrice digitale si tu es une fille. Top, non? Ludivine, elle est trop forte. Trop, trop fort. Et puis, il y a des petits. Alors, je les ai mis où? Je les ai mis là-haut. Des petits trucs, des pins, on va dire. Une dizaine de pins qu'on mettra au fur et à mesure, c'est en fonction de nos humeurs. Voilà. Ah, non, mais c'est bien. J'en parle beaucoup des ambassadeurs digitaux parce que je n'insisterai jamais trop assez que c'est vraiment un truc top. Voilà. C'est vraiment un truc top. Donc voilà, donc quand tu verras ça, maintenant, ça sera ça. C'est vrai, Michael, c'est une bonne idée de le mettre sur sa signature, ambassadeur digital. Bon,
Moi, je vais pas le rajouter parce que ma signature, il y a déjà Community Manager, les agrumes avec les adresses et tout le truc. Si je rajoute ça, ça va être faire chaud. Par contre, je pense sérieusement intégrer le logo des ambassadeurs digitaux dans la bannière. Ouais, je suis comme ça, moi. Je dis pourquoi pas, parce que bon, cette idée de partage et d'échange, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour les ambassadeurs digitaux. Sinon, j'ai pas mal de photos que j'ai faites avec le fameux et le P20 Pro. Il a eu du succès hier. Tout le monde a dit ouais, Christophe, t'es super, t'as de la chance et tout. J'ai dit bah ouais, j'ai de la chance, c'est la classe et tout. On a fait pas mal de photos. On a pu en causer. On a pu comparer d'ailleurs. Il faut que je sorte toutes les photos et que je les mette, je les rajoute un petit peu. Bah, je ferai un point peut-être. Alors vendredi c'est la VDS, mais je ferai peut-être un point samedi, tu vois, en disant voilà le P20 Pro après 8 jours. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'il y a de machiné? Parce que bon effectivement voilà on a pu le maniper, des collègues, des ambassadeurs l'ont touché, c'est pas mal, pas mal, pas mal. On nous a parlé aussi des nouveaux appareils qui allaient arriver sur la 100% pratique. C'est les nouveaux téléphones que tu peux commander. Malheureusement, il n'y a pas le P20 Pro, mais il y a le Huawei P Lite. Je crois que c'est ça, hein. Il n'y a pas de numéro P Lite et un autre que j'ai oublié. Franchement, j'ai une mémoire super sélective. J'aurais dû. Mais tu sais, dans ces cas-là, je me dis, on était quoi? On était 100 ambassadeurs, 150? Enfin, on était un certain nombre. Je me suis dit, il y en a bien un qui va le dire. Hein, qui va dire, ouais, ça y est, sur 100% pratique, il arrive tel et tel truc. Enfin, bon, ouais. C'est pas grave, de toute façon. Tu perds rien pour attendre. Tu sais qu'il y a des nouveaux téléphones, c'est ça. Nouveaux téléphones qui vont donc pouvoir faire tous les nouveaux usages. Voilà. Xavier Pods, bonjour. Annie Clamy, bonjour. Mastou qui est là. Salut, belle Mastou. Salut, belle Évangeline. Dis donc, hey, Évangeline, qu'est-ce que j'ai vu? Tu fais du gringue aux gens chez McDo? Ah, tu crois qu'il y a des choses qui m'échappent? Moi, je rentre fatigué le soir, je me couche, je prends le iPad et je regarde, je regarde, je regarde. Et qu'est-ce que j'apprends, Évangeline, qui fait du gringue au mec du McDo? Ah, ça, c'est un coup à foutre la merde dans la famille. Hein. Ton amant, comme tu dis, c'est pas le truc qui va apprécier. Ah bon, je dis ça, je dis rien. Enfin, bref. Les pins, ouais, ce sont des pins. Attends, est-ce que je te montrerai. Viens demain, on est quoi? Jeudi? Jeudi, demain? Qu'est-ce qu'il y a demain, jeudi? Ah oui, oh là là, j'ai oublié d'en parler. Jeudi, il y a la finale de e-sport Orange France. Donc demain matin, non, je vais y aller à midi. Je fais la matinale tranquille en studio. Je te montrerai les pins et puis je vais à Orange France demain. Il y a la finale. En fait, c'est la finale qui aurait dû se passer le jour où il y avait eu la grève. Et donc, ils l'ont repoussée. Et donc, c'est demain à Arcueil. Et là, allons-y, ça va être quelque chose. En plus, Orange France, je crois qu'il y a quand même pas mal de joueurs, de e-sportifs. Et donc, bah, voilà, je serai là, je vais faire un petit peu de buzz autour de tout ça. Voilà. Mais demain, si tu veux voir les pins, tu les verras au matin, je te les montrerai. Autre chose à dire, bah, non, j'ai plutôt les afterworks, j'en ai parlé. Plaza, est-ce que tu as vu. Salut, Evangeline, t'es au château là ou quoi? Je suis toujours au château pour l'instant. Bravo, ça va. C'est très bien. Comment vas-tu ce matin? J'étais en train, mais tranquillement. J'étais en train de rigoler quand tu as dit que je faisais du gringue au mec de McDo, mais c'est pas vrai. Je faisais pas du gringue, c'est lui qui m'a fait un grand sourire. Hein. Ah bon? Bah Ouais, on t'a dit t'en ferais bien ton 4 heures. C'est pas faire du dingue, ça? oui. Bah oui, mais je l'ai dit après, je l'ai pas dit pendant. Ah, d'accord. Donc ça s'est bien passé. Ça n'a pas mis d'huile sur le feu. Bon, non, sinon après, c'est pour avoir des frites cramées, c'est pas la peine. Ok, tu travailles aujourd'hui? Oui, mais à 9 h, j'ai rendez-vous pour aller récupérer ma voiture. Bien Ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, bon, bah écoute, t'as fait tout le nécessaire pour l'assurance? Ben, non, parce que j'ai toujours pas l'immatriculation de la voiture, donc j'ai pas pu. Bah, un coup de fil avant de la sortir du garage. Hein. Oui, c'est. C'est le On béaba. verra bien. Non, mais un Ouais. coup de fil. Fais un coup de fil avant. Bonjour, je vous donne l'immatriculation de mon véhicule. Ouais, on ne Ouais. sait jamais. Tu l'as prise de quelle couleur, au fait? Bon, bah écoute, Voulais je. la prendre noir et Oui. orange, on va bien encore, mais Non, pas mais si moyen. tu veux que je t'envoie des autocollants Hello? Ben, si t'en as, ouais, pourquoi Non, pas. tu vas pas mettre des autocollants Hello sur ta portière. Non, mais attends, tu rigoles. Ça me dérangerait pas, hein. Ouais, mais enfin bon,
Il faut pas non plus. Après, on va t'accuser d'avoir une voiture de poule en permanence. Ah ben non, j'aurai la carte grise avec mon nom dessus, donc c'est pas le nom d'Orange. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, c'est super, je suis content pour toi, tiens. Et puis j'espère une petite photo dans la journée qu'on puisse. Et puis demain, ça fera nos choux gras. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Fais-moi la publicité pour les ambassadeurs digitaux auprès de tes collègues. Alors, je ne sais pas si quand on est CDD, on a le droit aux ambassadeurs digitaux. Mais enfin, à ceux qui sont Orange, fais-leur la pub, qui viennent un peu aux ambassadeurs digitaux. J'ai déjà me pensé dessus pour savoir à quoi ça correspond exactement, Ouais. parce que j'avoue que ben, y a des choses quand même que je ne connais toujours pas. Et puis j'en parlerai, j'essaierai d'en faire la promotion, effectivement. Voilà, Mais à tu voir vois. si, parce que je sais qu'il y avait possibilité de faire ça, mais après, est-ce que les externes ont la possibilité de le faire? Je vais Écoute, voir s'il y a possibilité. voilà, tu Ils vas ont fait. toujours, tu peux y aller. Et puis, si on ne demande pas, on ne saura pas. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou. Je te souhaite bonne journée. Hein? Et Allez, bonne puis, hein? journée. Yes. Allez, salut. Allez, bye bye. J'avais oublié cette histoire de voiture. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'elle sort. Bon, ben voilà. Donc, on va avoir la voiture demain. Écoute, il est 8h50. Je ne vois pas autre chose que j'aurais pas oublié. Ouais, la petite question sur Orange Bank aujourd'hui. Allez, je te la donne, la petite question sur Orange Bank. Enfin, ce n'est pas la petite question, c'est la petite info sur Orange Bank. Oui, j'ai décidé tous les matins de donner une petite information comme ça sur Orange Bank, histoire de remettre un petit peu de. Histoire de. Voilà. Il n'y a pas de raison. Alors aujourd'hui, Orange Bank, ouais, des fois tu te demandes, oui, dis donc, on en est où, les 80, les 40 euros, les machins. Ok, l'offre salariée, c'est terminé. Non, 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 mais on t'avait dit, on te l'avait dit, prends ton compte et tout, t'as dit, non, non, je tourne du cul. Comme on dit chez moi, maintenant, trop tard, c'est trop tard. On a toujours par contre 160 euros, tu le vois? Alors, c'est comment? Ça, c'est quel que soit le client. Donc, tu es un client lambda. 80 euros de bienvenue, paf, sur ton compte, dès que tu actives ton truc et que tu fais ton premier achat. Non, tes trois achats, c'est pas premier achat, c'est trois achats, mais ne te fais pas dire de conneries. Tes 80 euros, une fois que tu as ouvert ton compte et que tu t'es servi de ta carte ou de ton téléphone, trois fois, là, tu as tes 80 euros. Et, cerise sur le gâteau, 80 euros remboursés pour l'achat d'un iPhone X 8 ou 8 Plus, avec forfait Play, Jet ou Open, hein, avec engagement de 24 mois. Voilà. Alors, Noël, l'autre qui va dire, oui, mais j'ai déjà un téléphone. Écoute, voilà, c'est l'offre, elle est là. Voilà. Tu fais comme tu veux. Bon, à mon avis, c'est toujours quand même bon à prendre, hein, sur un téléphone qui va te coûter, je sais pas combien ça coûte avec un abonnement, mais à mon avis, on n'est pas loin des 800-900 euros. 80 euros, c'est toujours ça, hein. Voilà. Donc tu sais ce qu'il y a à faire. Fais tourner autour de toi, hein, parce que t'es tout le monde. C'était la nouvelle du jour sur Orange Bank. Je devrais faire un petit jingle. La nouvelle du jour sur Orange Bank. J'adore. Voilà. Plus grand chose à dire, sinon fais attention à toi, souhaite à ceux dont tu vois que c'est l'anniversaire, serre-les fort dans tes bras. On se donne rendez-vous demain, peut-être un petit direct cet après-midi. C'est le dernier jour en plus? Non. Benjamin, tu dis que c'est le dernier jour, mais attends, c'est pas possible, on arrive toujours sur le dernier jour des derniers jours. Attends, il y a la petite étoile. On va chercher en bas la petite étoile. Petite étoile. Mettez bien la petite étoile plus petite, que je comprenne bien où est-ce qu'elle est. Attends, si tu descends, non, il n'y a pas de petite étoile. Bah écoute, Benjamin, je te crois, t'es en boutique, donc si tu sais, hein. En plus, t'es Orange Bank Certified. Donc, on appelle ça UBSP. Voilà. OBC, Orange Bank Certified. Ok. Bon, c'est le dernier jour. Donc voilà, je t'ai parlé de ça aujourd'hui, mais en fait, tu n'as que aujourd'hui pour aller faire ton abonnement dans une boutique et faire en même temps Orange Bank. Dis donc, faudrait. Ah ouais, il faut ouvrir ton compte le même jour. Et... Ah ouais, ça fait beaucoup de choses. Ben, ça va faire du boulot dans les boutiques. Voilà. Ok, allez. Gros bisous à tous. Ah, j'ai oublié de dire, ouais, jeudi soir, on fait un live spécial sur la montre, la Mykonos The Petite. Voilà, c'est cet appareil qu'on est trois ou quatre à la tester en ce moment chez les agrumes. Benjamin, André, je crois qu'il y a Isabelle et Abdelaziz. Donc on sort dans la room vidéo, hein, pour échanger sur la montre. Donc voilà, si tu veux tout ce que tu as demandé, tout ce que tu veux savoir sur la montre, tu pourras le poser. Les experts seront là. Oh, j'adore ce mot-là. Les experts, les agrumes seront là. Voilà, ce sera en direct là, ce sera à partir de 20h. Please note it. Ça va. Allez, bye bye. Et puis, prends soin de toi. Bonne journée.